Remise de dons du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, M. Bruno Labanié-Koné, dans le diocèse de Korogo, à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo, aujourd'hui jeudi 22 février 2024. En effet, comme à l'accoutumée, pour soutenir le diocèse de Korogo en ce temps de carême, moment de dévotion à Dieu dans le christianisme, associé au jeûne, à l'abstinence et au partage, M. Bruno Labanié-Koné, ministre du Logement, de la Construction et de l'Urbanisme, a fait un don d'une tonne de riz accompagné de pâtes alimentaires, de l'huile et du lait à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Korogo en présence du vicaire général Monseigneur Armand Koné, qui n'a pas manqué en retour d'adresser ses remerciements au ministre pour son attention. Hier, le ministre, en faisant ce don, je traduis ici le pilier du partage de l'humain. Donc, faites-en un bon usage pour que tous ceux en accès à la vision puissent en profiter. Donc, vos prières vont en endroit avec tous les souhaits du ministre et même les chrétiens. Voilà, je sais que là qui pose, on connaît bien la portée. Voilà, c'est là qui est notre temps de carême pour le partage et le monde. Merci au ministre et puis il faut continuer comme ceci. D'accord, nous avons merci au ministre. Notons que ce don était fait par le représentant du ministre, M. Koné Tornon Jean-Emmanuel. Koné Tornon Jean-Emmanuel. Et je suis ici ce matin au nom du ministre Bruno Labanié-Koné. Comme il a l'habitude de le faire il y a de cela plus de 10 ans, lorsque le temps de carême arrive, pour traduire le pilier du partage pendant le temps de carême, il fait un don à différentes communautés catholiques chrétiennes. Ce matin, nous avons fait le don de Katula et maintenant nous sommes autour de Korogo et après nous allons aller dans la Bagoué pour pouvoir faire aussi le don au nom du ministre afin que les uns et les autres puissent être soulagés pendant ce temps de carême qui est un temps de partage. Et en faisant ce don, monsieur le ministre le fait en traduisant aussi la solidarité que le président de la République, son Excellence Assa Ouattara, voilà, en tout cas, souhaite pour tous. Et là, monsieur le ministre a fait un don d'une tonne de riz. Et c'est pareil aussi à Katula. Et en plus de cette tonne de riz, il y a plus de 180 litres d'huile, plus 25 cartons de pâtes alimentaires, accompagnés également de lait. Donc du lait qui pourra aussi permettre aux uns et aux autres de rompre le jeûne, voilà, pour ceux qui feront le jeûne. Je suis le père Armand Koné, le curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Cocody de Korogo. Et en plus, je suis le vicaire général du diocèse de Korogo. Alors, permettez-moi de vous dire que, avant d'être institutionnalisé, la valeur de la charité est naturelle, elle est humaine. Et ça fait plusieurs années que M. le ministre nous accompagne, et les dons qu'il fait viennent toujours à point nommé. Nous vivons un moment très important dans la marche de notre Église, qui est le carême chrétien. Et parmi les piliers du carême chrétien, il y a bien sûr, en dehors de la prière, la pénitence, il y a l'aumône. Voilà, ce qu'il vient de faire comme don, c'est quelque chose qui va nous aider à encore mieux exercer cette grande valeur qu'est la charité. Donc nous disons un grand merci et nous pouvons, comme d'habitude, le rassurer de nos en prière à son endroit, non seulement pour lui personnellement, mais pour toute la Côte d'Ivoire, afin que le Seigneur ne cesse jamais de poser sa main de protection sur notre pays, la Côte d'Ivoire, pour une paix vraie entre nous.